Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode du Noël des barbus. Avant de vous présenter ce que je vous donne, j'aimerais remercier l'ami Torvast qui m'a filé ça, qui m'a envoyé ça, qui est sur ma wishlist Amazon. Vous verrez ce que j'en fais dans quelques semaines. Semaine chargée. Et en filmant l'épisode, je me suis brûlé les doigts. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu une vilaine cloque. J'ai fait ça en essayant de couper, enfin pas en essayant de couper, mais en coupant du HDPE. Il y a une partie qui a frotté sur la lame, qui est devenue toute molle. J'ai voulu l'enlever avec les doigts comme un gros couillon, et je me suis cramé. Heureusement, j'avais de la biafine, j'avais des pansements, j'ai aussi de l'élastoplaste. C'est un peu moins pratique de travailler avec deux doigts comme ça, mais on fait avec. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous donne ? C'est pas encore Noël, mais c'est Noël, puisque je vous donne ça. Ma perceuse Bosch, que j'utilise, qui date en fait de la période du Rural Lab. Vous voyez, ça date un petit peu, mais que j'ai utilisé de façon intensive, et qui marche toujours nickel. J'ai reçu des perceuses de chez Ryobi, qui sont plus puissantes, qui ont plus de possibilités, donc celle-là, je l'utilise plus du tout. Alors c'est une Bosch PSR18 LI2, il y a une batterie qui fait 18 volts 2 ampères-heure, et j'ai aussi le chargeur qui va avec. Comment faire pour gagner cette jolie perceuse? C'est simple, dans la description, il y a un petit lien vers Glim, qui est un truc de concours. Je vais ranger ça. Première chose, bien sûr, vous laissez un petit pouce, un commentaire, et ensuite vous allez cliquer sur le lien Glim, vous remplissez tous les trucs, et dans quelques jours, dimanche ou lundi, je désignerai le gagnant de cette perceuse. Alors cette perceuse, elle est pas très très grosse, donc je pense que je pourrais l'envoyer par la poste. Donc voilà, expliquez-moi dans les commentaires pourquoi vous avez besoin de cette perceuse, je tirerai au sort un gagnant. C'est important aussi que au moment où vous inscrivez sur Glim, vous mettiez votre email pour que je puisse vous contacter. Par exemple, la découpeuse vinyle, la personne qui l'avait gagnée, j'ai pas réussi à le contacter, donc je la referai gagner dans un autre Noël des barbus. Plein d'épisodes qui arrivent, des épisodes sur la création de notre société avec Sylvie Pereira, des épisodes classiques de la Grotte du Barbu, des vlogs, des mini-épisodes, des Barbie-trucs, et dans quelques jours / semaines, les premiers épisodes d'Electronoob qui vont arriver. Ne vous inquiétez pas, vous allez être gâtés par le contenu. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu peux bien sûr laisser un commentaire, évidemment tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme l'ami Thierry V, aller cliquer sur le lien Utip qui est dans la description, aller regarder une petite publicité, ce qui nous permettra de te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode du Noël des Barbus. Tu as pas de perceuse, tu veux mon ancienne perceuse? Participe et peut-être elle sera à toi. En attendant le prochain épisode, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.